Richard Châtel, vous allez présenter Autorisation dans le quintet de jeudi à Auteuil. Le cheval que reste sur une déception à Compiègne. Que s'est-il passé ce jour-là? Une incompréhension avec le cheval et le jockey. D'accord. J'avais donné les ordres de bien partir et c'était pas ça que je voulais. C'est un cheval qui a besoin d'être tout de suite en groupe. D'accord. Donc une course que vous nous conseillez d'effacer? Ah, complètement. On n'a pas vu le vrai autorisation. Non. D'accord. Parce qu'avant, c'était très bien ce qu'il avait fait. Hein. Ah oui. Et puis bon, c'est un couple qui fonctionnait très bien avec Jeff. Oui. Et c'est un cheval très, enfin, on va dire, assez froid. Donc il faut tout de suite le monter dans les chaudes têtes. C'est pour ça que là, je lui ai mis les ailes australiennes là, pour le mois qui vient. D'accord. Le fait de débuter à Auteuil, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va très bien lui convenir, c'est comme ça un cheval assez froid et qu'il faut. Donc je pense que ça va très bien lui convenir. Il n'y a pas grand chose qui le dérange ce cheval-là, on va dire. D'accord. Et le terrain lourd non plus alors, hein? Ah bah non, bah, il a gagné dans le terrain lourd à Clairefontaine. D'accord. Donc c'était vraiment très lourd, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la valeur 64 attribuée par le handicapeur? C'est beaucoup, mais franchement il a gagné deux fois, donc j'aurais préféré un point un peu plus bas quand même, parce qu'il n'a pas gagné à Auteuil. Le cheval de M. Boinard, il a moins que lui, j'ai pas fait gaffe, mais il a un poids moins. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Ils ont fait leur métier, j'ai plus qu'à faire le mien. D'accord. Et 70 kilos, c'est un cheval porteur, il peut porter le poids autrement? Oui. Ouais, il a gagné avec 73 kilos, c'est vrai que c'est des courses assez dures, mais bon, non, il est porteur, il est grand, il est assez porteur. D'accord. Et vous pensez, alors, il débute à Auteuil dans les handicaps, qu'est-ce que vous pouvez en attendre alors? Ah, moi, j'aimerais bien une confirmation de ces deux premières courses, qui montre son vrai visage, qui nous a montré à Clairefontaine et à Dieppe. Voilà, donc maintenant... Oui, j'ai vu que c'est le choix de ces engagements-là, donc voilà. Donc vous n'avez pas forcément besoin qu'il vous rassure, vous lui gardez toute votre confiance. Ah oui, ah oui, non, il n'y a pas besoin de le rassurer, lui, il a toute ma confiance, et puis le cheval, il est vraiment bien, donc je pense que, voilà, c'est juste qu'il montre son vrai visage, et est-ce qu'il a le niveau de ces courses-là, il nous le dira après, on va voir.